L'Office de tourisme du Cœur Bassin organisait sa cinquième et dernière sortie de la saison estivale au domaine de Certes. Celui-ci, faisant partie du patrimoine historique du bassin, est un haut lieu de passage pour la faune sauvage. La particularité pour les participants à cette activité est qu'ils atteignent la digue en canoë-kayak. Une façon originale d'allier aspect sportif et sortie culturelle pour ces touristes. Je suis brevet d'état canoë-kayak, discipline associée à la Maison de la Nature du Bassin d'Arcachon, qui est une structure d'éducation à l'environnement qui dépend du parc naturel des Landes de Gascogne. Elle est située au Teche et dans l'emprise même de la réserve ornithologique du Teche. C'est vrai que le domaine de Certes, on le connaît en l'approchant à pied, on le connaît en l'approchant à l'époque à vélo. Et c'est vrai qu'on avait une immense étendue juste à côté de nous, très vaseuse à marée basse, évidemment, qui est un peu déroutante, mais qui, quelques heures par jour, permet d'y venir en bateau. Donc là, on s'est dit, c'est vraiment une navigation assez sympa, parce que on reprend le vent, on est dans des petites conditions maritimes. Ça ne dure pas très longtemps, donc pour des personnes qui seraient un petit peu stressées ou quoi que ce soit, c'est supportable. Et l'idée de venir chercher Certes en bateau, c'était l'idée de faire un peu gagner le droit d'aller débarquer sur Certes, quoi, et de, avec l'aide d'Harold aujourd'hui, mais d'autres animateurs et animatrices, aussi se pencher sur l'intérieur de la digue. Qu'est-ce qui se passe pour les oiseaux, pour les animaux, pour la flore? On est ici sur le domaine de Certes et Graveyron, qui est un espace naturel du bassin d'Arcachon, propriété du Conservatoire Littoral et du coup géré par le département. C'est un super espace naturel sur un peu plus de 500 hectares. Il y a un milieu assez exceptionnel pour l'accueil notamment des oiseaux, que ce soit pour la reproduction, pour l'hivernage et puis pour des aires de repos. Du coup, aujourd'hui, on se fait une sortie en partenariat avec aussi la Maison du Bassin d'Arcachon, donc le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne et l'Office de Tourisme Cœur de Bassin, qui nous permet de découvrir le domaine de Certes par deux biais, par la partie plutôt sur l'eau, donc une sortie en kayak, et puis après on sort sur le domaine de Certes, on descend sur les digues du domaine pour venir observer les différents oiseaux, la structure du domaine, parler un petit peu de son histoire, de la faune, de la flore qu'on peut trouver ici, et justement aborder un petit peu tous ces éléments-là. La petite tour, là.